match amical, premier rendez-vous depuis cette rencontre face à l'Ukraine, qualificatif pour la Coupe du Monde. On se souvient évidemment tous de ce match d'anthologie. Pour rester dans une bonne dynamique, les Bleus comptent sur Karim Benzema. C'est vraiment l'homme fort du moment. Gaël Biche, Jérôme Sion. C'est un homme heureux, épanoui, à qui 2014 veut bien sourire. Cette année, avec le Real Madrid, Karim Benzema a inscrit 11 buts en 12 matchs. Le joueur est aussi bien dans sa tête, enfin débarrassé de ses démêlés judiciaires et surtout père d'une petite fille depuis un mois. Je suis content de ma vie, je suis content de jouer au foot. Je me sens super bien sur le terrain, j'ai pas de problème et tout se passe bien. Je suis content de venir en équipe de France, ça se passe bien aussi, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc il n'y a que des choses bien et c'est positif pour la suite. C'est peut-être ce que l'on appelle le calme après la tempête, car 2013 reste un cauchemar pour Karim Benzema sous le maillot bleu. L'attaquant était resté 1222 minutes sans inscrire le moindre but, jusqu'à perdre sa place de titulaire au profit d'Olivier Giroud. Mais aujourd'hui, plus question de se passer de lui. Même s'il a eu une longue période où il a été muet, je ne me vois pas être celui qui va le freiner dans cette... dans la forme où il est. Aujourd'hui, même dans le jeu, il est capable de faire des efforts à haute intensité et de les répéter. Karim Benzema serait bien inspiré de poursuivre ses efforts encore quelques mois, jusqu'au 13 juillet prochain, date de finale de la Coupe du Monde. Sait-on jamais ?